d'abord commencer avec la crème chantilly. Donc, c'est écrit en turc, crème chantilly. Donc, soit vous prenez chocolat, soit nature. C'est comme vous voulez. Moi, je vais opter pour le chocolat, cacaolo. Donc, vous trouvez bien sûr ces petites boîtes. Vous trouvez ça dans les magasins orientaux, sinon les épiceries turques. Donc, vous notez à l'intérieur, vous avez deux pochettes. Voilà. Donc, nous, on va utiliser qu'une seule pochette, ça suffit pour cette préparation. Alors, pour la préparation, vous aurez besoin d'un verre à thé de lait, donc 100 ml de lait à peu près. Je viens ajouter le sachet de cacao. Et je viens battre le tout. La crème elle est plus épaisse, voilà. Donc vous avez vu, il faut pas énormément de lait. Donc là je vais laisser dans le frigo le reposer pour qu'il durcisse un petit peu plus, et on va commencer à faire la crème. Verser 1 litre de lait. Verser mon verre moyen de sucre, donc j'ai pris un verre à moutarde, mon verre moyen de farine. Alors, soit un sucre vanillé ou de l'arôme de vanille. Donc moi je le fais à l'œil nu. Et je viens verser mon beurre. Donc là, ma préparation n'est plus liquide, elle est bien épaisse. Donc là, je vais éteindre le feu. Je vais prendre le mixeur et je viens mixer pendant à peu près 10 minutes. Bon ben, c'est parti pour 10 minutes de mixage. Mélanger, donc là on va passer au dressage. Alors là je viens saupoudrer mon plateau de four avec de la noix de coco. Donc si vous n'avez pas un plateau de four, prenez un plateau assez profond. Donc ne mettez pas de papier de cuisson ni d'aluminium, parce que lors du découpage du gâteau, ben ça risque que l'aluminium s'accroche au gâteau et vous avez des bouts d'aluminium sur le gâteau. C'est pas très agréable après pour les emblées. Donc là, j'en mets vraiment une bonne dose. Donc si vous aimez pas trop la noix de coco, vous en mettez un petit peu. Hein. Donc là, je viens verser ma préparation sur mon plateau. Comme ceci. Thank you.
reposer au moins 10 minutes jusqu'à ce que ça durcisse un petit peu. Après, on va mettre le nappage chantilly chocolat. Ça fait à peu près 30 minutes que j'ai laissé reposer la préparation. Donc, comme vous voyez, rien ne glisse. Ça veut dire qu'il est assez dur. Donc, là, je prends ma préparation crème chantilly au chocolat. Donc, je remélange un petit peu. Donc, comme vous voyez, il est assez costaud. Voilà, ça fait comme de la purée, de la mousse au chocolat, pardon. Moi, bien parler français. Bon, bref, je viens étaler mon chocolat par-dessus, comme ça. Donc, vous faites une fine couche quand même. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre que la préparation se durcisse, sinon là, vous aurez une soupe. Donc voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moitié spéculoos. Donc j'ai pris 4 gâteaux de spéculoos que j'ai écrasé avec mon rouleau à pâtisserie. Et l'autre moitié, je vais mettre noisettes en poudre. Et comme ça, il y aura deux goûts différents. Donc je vais faire moitié comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Donc il y aura deux côtés. Côté, je vais le mettre dans le frigo, donc protéger bien le dessus. Donc moi je mets du film alimentaire. Et je vais laisser une journée, vous pouvez laisser si vous voulez 4-5 heures, mais moi je vais laisser toute une soirée et je le couperai demain matin. Donc voilà, je vous dis à demain. Voici le résultat. Donc j'ai laissé à peu près toute une nuit, le roissé à la découpe. Donc vous aurez besoin, donc moi je vais prendre, vous savez, les couteaux pour les rouleaux pour couper les pizzas. Il faudra aussi une spatule pour gâteau, une assiette. Vous reprenez un petit peu de noix de coco et je vais reprendre aussi un petit peu de noisettes. Donc voilà, donc c'est parti. Donc vu que j'ai fait deux parties spéculoos et une partie noisette, donc là, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, c'est pas très très compliqué, il faut bien suivre les instructions et la quantité des ingrédients. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo en commentaire. Et puis voilà, bon bah je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.